Voici quelques conseils pour sécuriser une bibliothèque, en particulier pour les documents et archives. 1. Contrôler l'accès physique. Limitez l'accès à la bibliothèque en utilisant des serrures, des cartes d'accès ou des codes d'entrée. Assurez-vous que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans la zone où les documents et archives sont conservés. 2. Surveillez les zones sensibles. Installez un système de vidéosurveillance pour surveiller les zones importantes de la bibliothèque, en particulier celles où les documents sensibles sont stockés. 3. Contrôle des visiteurs. Établissez un registre des visiteurs et demandez-leur de s'identifier avant d'accéder aux documents et archives. Cela permettra de garder une trace des personnes qui ont eu accès aux informations. 4. Formation du personnel. Assurez-vous que le personnel est formé aux pratiques de sécurité et de gestion des documents. Sensibilisez-les aux risques potentiels et aux mesures de prévention. 5. Contrôle des prêts. Mettez en place un système de suivi pour les prêts de documents et archives. Enregistrez les informations sur les personnes qui empruntent des documents et définissez des délais de retour stricts. 6. Protection contre les incendies et les dégâts des eaux. Installez des systèmes de détection d'incendies et d'inondations. Et assurez-vous que les documents sont stockés dans des endroits protégés contre ces risques. 7. Contrôle des températures et de l'humidité. Maintenez des conditions environnementales appropriées pour préserver l'intégrité des documents et archives. Contrôlez les températures et l'humidité pour éviter tout dommage causé par des fluctuations extrêmes. 8. Sauvegarde et copie de sécurité. Effectuez régulièrement des sauvegardes des données numériques et conservez-les dans un endroit sûr, loin des documents physiques. 9. Numérisation des documents importants. Envisagez de numériser les documents les plus importants pour créer des copies de sécurité et faciliter l'accès tout en préservant les originaux. 10. Conservation appropriée. Utilisez des matériaux de conservation de haute qualité pour stocker les documents, tels que des boîtes d'archives sans acide, des pochettes en plastique sans PVC et cetera. En suivant ces conseils de sécurité, vous pouvez contribuer à protéger efficacement les documents et archives précieux de la bibliothèque contre tout dommage ou accès non autorisé.